bienvenue sur la chaîne de Carmen de Marafine. Je vais te présenter un petit tour de magie, une curiosité qui va tout simplement t'épater. C'est la grille magique, que l'on peut encore appeler le tableau magique. Tu vas choisir 5 nombres dans le tableau qui va suivre. C'est un tableau de 5 lignes sur 5 colonnes. Tu vas choisir tes 5 nombres de telle sorte qu'il n'y en ait qu'un seul sur chaque ligne et un seul dans chaque colonne. Tu vas ensuite calculer la somme de ces 5 nombres. Je vais alors deviner la somme que tu vas trouver. Surtout, ne te trompe pas. Pour bien comprendre, voici tout d'abord un exemple. On doit choisir un seul nombre par ligne et par colonne. Par exemple, prenons 6 sur la première ligne. Nous ne pouvons plus alors prendre de nombre ni sur la première ligne, ni sur la première colonne. Choisissons par exemple 11 sur la deuxième ligne. Nous ne pouvons plus prendre de nombre ni sur la deuxième ligne, ni sur la troisième colonne. Prenons maintenant 12 sur la troisième ligne. Nous ne pouvons alors plus prendre de nombre ni sur la troisième ligne, ni sur la deuxième colonne. Il nous reste maintenant qu'à choisir entre 18 ou 19. Choisissons 18. Il ne nous reste plus que 10 comme choix possible pour le dernier. Il y a beaucoup de façons possibles pour choisir les 5 nombres. Vous pouvez vous amuser à les trouver toutes. En fait, pour une grille de 5 sur 5, en tout, il y a 120 possibilités. En effet, 5 choix possibles sur la première ligne, fois 4 choix possibles sur la deuxième ligne, fois 3 choix possibles sur la troisième ligne, fois 2 choix possibles sur la deuxième ligne, et pour finir, fois 1 choix possible sur la dernière ligne, cela donne 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui est bien égal à 120. D'ailleurs, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça se lit aussi factoriel 5. Bon, revenons à nos 5 nombres choisis et maintenant, ajoutons-les. Dans cet exemple, on obtient 6 plus 11 plus 12 plus 18 plus 10, ce qui nous donne 57. Maintenant que j'ai expliqué comment faire, c'est à toi de t'amuser. Voici une nouvelle grille. Choisis un seul nombre par ligne et par colonne. Tu peux mettre la vidéo sur pause le temps que tu fasses ton choix. Soit tu mémorises les 5 nombres choisis, soit tu les écris sur une feuille de papier. Ça y est, tu as choisi tes 5 nombres dans la grille? Alors, maintenant, calcule la somme de ces 5 nombres. Tu peux mettre la vidéo sur pause le temps que tu calcules. Tu peux te servir d'une calculatrice pour vérifier. Ça y est, c'est fait? Alors maintenant, moi, je devine que cette somme est 79. N'est-ce pas étonnant? Je vais donner toutes les explications dans une prochaine vidéo. Ainsi, tu sauras tout. En attendant, je te dis à bientôt sur la chaîne de Carmen de Marafine.